14 janvier 2010. Un poème de Marc Charles Nicolas. 12 janvier 2010. Il est 10h du matin. Je pleure comme une fontaine. Signe avant-coureur. Sensation prémonitoire d'un cœur qui déjà saigne. La neige et le vent glacial du Colorado dépriment. La mélancolie s'installe. Il est 5h p.m. Haïti est frappé par une tragédie. Heure fatale. C'est l'enfer jaloux qui expédie ses agents vers ma terre sous sa rage. Tremblement de terre cristal, séisme, mort, amputé, un vrai carnage. C'est l'enfer envieux du ciel bleu de ma terre qui jette son manteau noir sur les vents, sur les verts pâturages de l'Erogan et qui peint la voirie de corps noirs. Haïti, ma terre, une fleur à la dérive, enterrée sous les ombres de la mort. Haïti, une veuve avec des enfants orphelins, mais livrée à son sort. Veuve sans pain sur sa table, ma terre, une rose sous proie de la nature. Une terre perdue dans les eaux de la douleur, un diamant dans la sciure. 12 janvier est la preuve que ma terre est une femme à l'âme rêveuse, mise à nu par le démon qui lui donne en cadeau sa haine malicieuse. 12 janvier, jour de l'apocalypse, jour de chagrin et de rêves inachevés, jour des meurtrissures que rien n'efface, un jour de l'holocauste épinglé. 12 janvier, 12 janvier, c'est le jour de crépuscule ensanglanté où la mort vint sonder notre âme, avec une hécatombe pour faire jaillir des effluves mélancoliques, des larmes. 12 janvier, jour de bleu, jour de bordel et des instants au goût de carnage, où suinte l'odeur de nos cauchemars macabres, jour de déchirure et de rage. Un poème de Marc Charles Nicolas.